La vie est toujours compliquée. La vie est toujours compliquée. Hello, good morning for you. How are you doing? Okay. Good morning, Flortala. How are you? How are you? Good morning. Okay, me, I'm airport from Paris, Charles de Gaulle. So I'm go for Washington DC, Tacoma. Yes, I want you to salute you. Tata Nanou et Samé, how are you? FP Magina Avi, how are you, my baby? You sleep fine? Okay, me, I'm woke up. I'm airport. Destination for Washington Dulles. That's where it be. So I woke up the morning time. I went to go to arrange my flight. I want to tell you the money time. Say my name is Mafo. I know the play. That kind of play, play where than the play. I don't talk, say, I did go Tacoma. That's what I talk. So I don't already do. Picture for down Jamafok where I want go fana. He don't talk say if you are call your name again. Me I want tell you say I did reach your country, I did reach your quarter. When I go reach there, I go police station to port a plane for you. So wanted. So I don't already do one. Now you this. Nope, you don't talk say the corner. Now you this. You don't talk say if you talk here. Yeah, na the woman na bafang. Na bafang girl. A the fana. It di insult my mother. It di insult me. Now the team maker they take flight for go fana. Now wanted. I don't placade your picture. That thing what I want to tell you for Jimmy only time say, the girl, it is stay for Tacoma. When I see her fine, it is stay for Tacoma. He don't make 26 years for US. You know, get Kaolo. It is fun problem. Me, I don't say go shit down your ass. Problem go come find you for inside your ass. You don't hear me. When I go reach there, I go just go stay police station to find you. Now you this. Now some now bafang woman. It insult my mother for profile for down the noir. Chama fuck. I they come find you for down your sou quarter. Where you stay? See you. Now you this. When I think say, when I go come, she down to coach people for inside for profit. I come find you. Now you this. I don't talk say. When you do go stop, I don't tell me at the commence. No be so. Alert. All people waiting to stay for Maryland. Onganda. All park. May wanna define the woman. May wanna the cash for me.
had he put cash on for your head. Now cash on for ungo, for the woman. Now cash on. I don't long say cash on to he, to the woman. Now it is. Cash on. I will trans for the woman. He go come out from for profit. Tu crois que tu vas te cacher derrière les faux profils. Tu crées une page dans le noir. Tu vas t'asseoir, insulter, traumatiser les Camerounais. Je m'en vais à la police. Parce que tu m'as traumatisé, je ne dors pas. Yes. Je vais arriver à la police chez toi dans ton quartier. A dit, comme en France. Yes. Because you woman don't traumatise me. I know the sleep. I did take melancy. I go talk for police. I did carry melancy. What can I? Now? Yes. Now my melancy this. It did do me. I did take antidepressant. Now it is. So then go show you. Me, I go put you for record. For America. I go put you for record. You don't traumatize me. I pay ticket. Only to confine you. Now my medicine this. All the one, now my medicine, what did take up? Now my medicine, I go shoot for police. Now my medicament. You don't put me for depression, for malade. You don't rendu me malade. When I reach police, they when I did reach for police, mommy, dès que j'arrive à la police, je sors mes médicaments. Tu viens d'où? De la France, qu'au Paris. Dans ma passeport 10. Je te cherche. Sors de ton faux profil dans le noir. Ce n'est plus l'heure de parler dans le noir. Sors du noir. Les coups de fil que tu appelles dans tous les Nganda pour menacer là. C'est toi qui menaces que tu vas envoyer la police au Nganda. Jusqu'à tu dis qu'on se désolidarise de moi. Ah bon, hein? Tu croyais qu'on n'allait pas te trouver. Tu as appelé Onganda. Okay? Je vais envoyer la police. Si vous ne faites pas le direct pour vous désolariser de cette fille sale chienne. Hmm? Voilà tous les médicaments que tu m'as mis dedans, que je bois. Oui, je vais aux États-Unis. Vous allez où? Ah, j'y vais souvent. Oui, régulièrement. Je vais pour une semaine. Et vous allez dans quel pays? Ah, vous êtes coincé ici à l'aéroport? Oh là là. Ouais. Oh là là. C'est dû la France, hein. C'est pas évident. Ah, ici, là, pourquoi? Ah ouais. Possible. On croise, oui. Tous les jours, oui. Oui. Oh là là. Et le soir, ici, à l'aéroport, on ne met pas tout le monde dehors? Non, c'est pas illégal, c'est légal. C'est légal, oui. C'est légal. D'accord. Ouais. Oh là là. Mais vous pouvez aller dans les hôtels 115. Non, c'est pas comme avant. C'est plus comme avant? Non, c'est complet. Il n'y a pas de place, oui. Il n'y a pas de place, c'est fini de passer. Ah ouais? Il y a que des gens qui
dans le cœur. Cette femme que vous voyez ici en photo, je m'en vais aux États-Unis. Non, pas de souci, madame. Je m'en vais aux États-Unis uniquement. Allez, je vais faire le direct dans les homeless et sous quartier où elle habite. Elle habite à Tacoma. Oui. Elle a déjà commencé à appeler les Nganda pour dire que tu es malade. Regarde-moi cette chose. Tu commences à m'insulter sur Facebook. Ça fait des mois que tu t'acharnes sur ma personne. Et tu oses dire que si je prononce encore ton nom. Une sankaolo comme toi. Une fille qui n'a pas de papier. Tu es devenue wanted. Voilà ça. Si tu es une femme, viens à l'aéroport. Moi, je vais te montrer que je vais te mettre sur le record aux États-Unis. Une fille que tu as pour colocataire les rats. Tu seras fabriqué. Sors du noir. Tu es déjà une star, non? Sors du noir. Tu es fabriqué. Ne reste pas dans le noir. Te voici. Voilà ton visage. Te voici. Comme vous n'avez pas de limite, tous les Nganda du Maryland, tu comprends? Même la veillée des Bafang, je serai là-bas. Tu as compris avec quoi? Une sapac. Regarde-moi le traumatisme qui se lit sur son visage. C'est de ma faute si tu as fait 23 ans. Tu ne peux pas aller voir ta famille. Tu n'as qu'à te procurer des papiers. Tu es trop belle. Avec ta beauté, tu n'as pas pu trouver un akata pour t'épouser, pour te donner des papiers. Tu n'as pas pu trouver un Mexicain, un Latino. Que tu vas faire les burritos. Ils mangent pour t'épouser. Les moritos, burritos. Hein, avec le haricot. Tu t'assois derrière les conneries. Tu dis que tu parles aux gens. Mesdames, messieurs, chers passagers. On dirait que tu as fait la brigade. Le traumatisme sur tes yeux. Quand on te regarde dans les yeux, on voit le traumatisme. Regarde. Va te laver à bois quand tu. J'étais dans ton village. Tu sais que tu es bafang, non? J'étais même à l'endroit sacré de ton village. Sale pauclette que tu sois. Hein? Tu vis avec les rats, les colocataires, les rats. Hein? Tu es une femme, non? Viens. C'est toi qui menaces ces gens avec la police. Si vous ne faites pas le direct pour vous désolidariser. Si on te demande que tu me réclames quoi, tu m'as dit quoi? Hein? La poisse sur ton visage. La poisse qui se lit sur ton visage. Hein? Depuis que tu es aux États-Unis là-bas, tu as fait quoi de bon? Hmm? Avec moi, non. C'est la résistance. Je te dis que tu vas sortir du noir. Je vais te mettre au travail. Oui. Tu vas comprendre que les réseaux sociaux là. On regarde le visage de haine. Regarde. Là, tu es bien. Là, tu es maquillée. Regarde. Visage de haine. Alerte, alerte. Tout Camerounais du Maryland. Retrouvez-moi cette femme. Elle me harcèle. La femme se me harcèle. Elle me harcèle depuis des mois et des mois. Gratuitement. Voilà une femme qui me harcèle. Cher Camerounais. Voilà une femme qui me harcèle. J'ai imprimé ces photos comme ça pour aller à la police. Elle est aux États-Unis, elle me harcèle. Elle me harcèle, elle me promet de me mettre. Elle ne me connaît pas comme ça. Elle est dans le noir, elle a créé un faux profil. Elle fait des lives pour exciter les gens à la haine. Elle prend mes photos, elle me dénigre, elle fait des lives, elle fait monter des gens dans le panel, elle me clash. Je ne la connais pas.
Oui, ça, c'est des photos qu'elle a envoyées à quelqu'un. Et je m'en vais dans sa ville. Je vais porter plainte là-bas. Et apparemment, elle n'a même pas de papier. Va chercher tes papiers, maman. Voilà ce qui va te donner au carré. Elle harcèle sur Internet. Elle me harcèle sur Internet, oui. Elle me harcèle sur Internet. C'est illégal. C'est illégal, elle me harcèle. Elle fait des lives dans le noir, elle me harcèle. Pourquoi elle, c'est par jalousie? Par jalousie, exactement. Nous sommes du même pays, hein. Et elle me harcèle. Donc, je vais comme ça dans son coin où elle vit. Tu sais, aux États-Unis, du coup, parfois quand on connaît ton nom, on peut te retrouver. Avec son nom, on l'a retrouvé, son adresse actuelle. Est-ce que tu connais son nom? Je connais son nom, oui. Je connais son nom, j'ai son identité, son adresse, tout, 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 tout. Donc, oui, je vais porter plainte là-bas directement. Comme je vais souvent, c'est là-bas que je vais porter plainte directement. Il y a des gens qui harcèlent, hein. Hein? Deviens star, maman. Tu es la star, hein? On te reconnaît. La star mania de ça, ça ne chauffe pas. Ça pas. Tu me harcèles pourquoi? Elle n'a rien à faire. Elle me harcèle. Elle travaille à Walmart. Donc même à son travail, j'irai me placer devant son travail. Tu connais son travail? Oui, on a retrouvé aussi son travail déjà. Les gens qui la connaissent ont retrouvé où elle bosse. Maman, je vais te faire ça dur. C'est le sifflet. Et tu seras au travail, tu ne vas rien faire. Oui. Je connais comment. Tu vois que tu connais les États-Unis plus que moi. Je vais siffler que c'est uniquement pour toi qu'elle prend le billet d'avion. Oui. Et sera ton travail, Walmart, où tu travailles là-bas. Oui. Voleuse dans les magasins. C'est pas correct. Ah, maman. Tout Camerounais à Maryland. Oui, elle est à Maryland. Vous êtes d'origine américaine? On dirait, hein? C'est vrai. Ouais. Et je le cache. Oui. Je suis venue ici après college jeune. C'était l'erreur de ma vie. Ah, étant jeune ici en France. Oui. La vie est trop dure. En France, hein. Mais vous pouvez rentrer. Même si tu as des enfants, c'est toujours. C'est pas pareil. Voilà. Mais c'est dur quand même. Parce que si vous séparez et tu n'as pas papa. Oui. Là, lui garde les enfants et il n'y a rien pour vous. C'est oui, surtout s'il a la garde. Hein. Exact. Ça arrive à beaucoup, beaucoup de femmes. Ah oui. Étrangères. Ouais, faut faire attention. Il y a beaucoup dans la misère, il n'a plus. Quand j'avais de l'argent, je vais Oui. C'est pour ça que quand on est jeune, il faut tout faire pour bien stabiliser de sa vie, pour ne pas se retrouver dans la merde. Ouais. Vous aimez retourner ici? Ici? Non, moi je vis en France. Je vais seulement en vacances. Tu vis en France? Je viens en France, je vais pour les vacances. Ah, okay. Oui. Je pars une semaine. Yeah, oui. Tu as de la famille? Oui, les amis, la famille. Bon, quand je vais arriver à la police, je vous dis, good morning, I come here to porter plainte. Because the woman,
harcèle me. Et je vais montrer sa page où elle fait les caricatures. Parce que j'ai imprimé aussi les caricatures. Pourquoi elle ne supprime pas? J'ai imprimé où elle fait les caricatures. Elle me poste, elle fait les caricatures. J'ai imprimé aussi. J'arrive à 14h50 à Dolès. 14h50, c'est 21h50. Et c'est bizarre. J'espère que mon vote. Je ne vois personne. Pourquoi? Ça ouvre à quelle heure? Ça, on m'avait dit 6h. Ah oui, ça ouvre à 7h30. 7h30. Jade Owen, d'accord, on ira à la police ensemble parce qu'il faut traduire, j'ai tout imprimé. Jade Owen, pardon, il faut vite capturer ce qu'est sur sa page là. Pardon, il faut capturer sur sa page. Attendez, je vais capturer tout avant qu'elle ne supprime. Sur sa page. Bisous, bisous, à tout.